Bonjour les amis, c'est Mitra Pneuma de Nintendo Alert Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour la soluce qui va vous permettre d'avoir l'armure de Wind Waker. Alors, les trois pièces vont se trouver dans les profondeurs et on va commencer par la plus difficile à obtenir à mon sens. C'est celle qui va se trouver à la pointe ici. Alors, le plus simple serait de partir de là. Après, bon. Je vais vous montrer en surface ce que ça donne. Hop. Voilà, c'est la pièce la plus difficile à obtenir du set. Allez, on y va. J'étais tellement focus sur un... Ce serait pas un... Quand il y a des ronds comme ça, c'est souvent une arène. J'ai même pas vu les pics. Vérifie que je suis toujours sur la bonne route. Bien. Voilà tout l'intérêt de l'armure des ténèbres. Hein, si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à aller regarder notre soluce pour l'obtenir. C'est quand même bien, bien, bien utile. Hein. Pas grand-chose. D'un peu. Hein. Alors. Bon, alors j'ai l'armure de qui permet de voir dans les profondeurs, mais je préfère garder étant donné que j'ai quasiment ouvert toute la map. Alors, j'ai fait une vidéo aussi pour vous montrer comment ouvrir toute la map. Je préfère garder mon armure des ténèbres là. T'as utilisé des lumos, pas grave. Vous voyez, je vous montre vraiment la progression. Elle est pénible. J'avais pas envie de me mettre à l'arrivée et de. Ça, je trouve que c'est pas une solution en fait quand on se met. À l'arrivée, quand tu vois, bah voilà, c'est là.
Si on montre pas, quand c'est difficile, après, il y a des fois, je montre pas la progression parce que la progression est facile. Mais là, en l'occurrence, elle est un peu compliquée. Bon, alors là, normalement, je suis bien. Ok. Et donc on arrive ici, on peut construire. Enfin. Utiliser des. Coller des choses. Moi, j'avoue que c'est pas. C'est vraiment pas ce que je. C'est pas ma tasse de thé, j'aime pas construire. Je fais vraiment des trucs basiques. Je sais qu'il y a des gens qui s'éclatent en faisant des constructions de dingue. Moi, c'est pas mon délire, hein. C'est vraiment pas ce que je préfère. Et sur ce point, du coup, je préfère quand même Breath of the Wild. Alors, du coup, là, je crois que je vais pas trop avoir le choix. Je construis un truc. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Ouais, bon, bah. Du coup. Alors, oui. Ma construction favorite. Allez, vas-y. Allez, let's go. J'aurais peut-être dû mettre une fleur lumineuse dessus. Oh, toi, tu m'énerves. Hop. Et nous y voilà pour la première pièce de l'armure de Wind Waker. Donc, les choses du vent. Voilà, donc cette pièce-là, comme je vous l'ai dit, j'ai volontairement commencé par celle-là parce qu'elle est vraiment. C'est la plus difficile à avoir. Ensuite, on va aller sur un peu plus simple. Encore que, il va falloir se rendre ici. Pas non plus partie de plaisir. Alors je vous montre en surface où ça se trouve. C'est près de notre maison, hein, de la maison qu'on a construite. Allez, c'est parti. Ma maison sans fenêtre. Alors, donc là, on se rend vers le jaune. On est sur les îles en face. Pas de TP. Donc voilà, sur ces îles là-bas. Allez. Un coup de boost de Babil. Bon, dans Breath of the Wild, on avait un sanctuaire là. On y est presque.
Ben voyons. Évidemment. Bon, donc là, je vous invite, si ça vous arrive aussi, à switcher vers la tenue du batracien, qui est ben, ultra utile, hein. Je sais pas ce que j'aurais fait. J'attends que la pluie cesse. On progresse vraiment, vraiment pas dans Tears of the Kingdom sans un remède à des yeux ou la tenue du batracien. Pareil, hein, si vous la cherchez, n'hésitez pas à regarder notre Solus. Allez, donc on est arrivé et on va se jeter ici. Hop, voilà. Laisse tomber, hein. Hop. Maintenant, regardez bien où vous devez vous rendre parce qu'on doit partir par là, hein. Moi qui ai un sens de l'orientation terrible. Allez, encore un peu, j'y suis presque. Donc ici, si vous n'êtes pas déjà passé, il y aura forcément des pierres à casser. Moi, je suis déjà passée, donc hein, voilà. Donc vous progressez dans ce tunnel. La progression. Là, on va se rendre en bas, là où vous voyez les pierres bleues. Hop. Vers la gauche. De toute façon, vous voyez, là, c'est ultra éclairé. Le deuxième coffre se trouve ici. Voilà, la coiffe du vent. Je vous remontre sur la map au cas où. Donc, ça va se trouver là. Après, vous partez de ce point de TP, hein. Non, pas celui-là. N'importe quoi. De celui-là serait mieux. Parce que l'autre est vraiment trop bas. Donc vous partez de ce point de TP près de la maison de Link, hein, tout simplement. Ok. Bon, on enchaîne avec le dernier, du coup. Alors, qui va se trouver ici. Ici. Hop, je zoome. Laisse le temps de faire la même chose. Voilà. Et ça va se trouver ici. Alors, en surface, ça donne quoi? Il y a, comment dire, je trouve à mon avis, ça a été pensé pour ça, hein, mais je trouve que les différents points de TP sont, à mon avis, stratégiquement pénibles. Ça vous oblige, ouais, ça vous oblige à beaucoup voyager. Bref, alors, on va se TP ici. Allez, direction le dernier coffre. J'ai oublié d'enlever le point jaune. Je fais toujours très attention à ça parce qu'après, je ne me souviens plus pourquoi j'ai laissé un point.
vu qu'on ne peut pas mettre d'annotation. On se retrouve toujours avec tout un tas de points sur ma carte. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Vous voyez, ça se trouve juste en dessous là. Et on va chercher le dernier coffre de l'armure. Alors comme je vous l'ai dit, on peut l'avoir avec les amiibo, hein, ce qui explique que moi souvent, en plus les amiibo peuvent les donner plusieurs fois. Donc ce qui explique que moi souvent, je peux les avoir en double. Hein. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne parce que ben, vous avez été nombreux à me demander de vous montrer la tenue. Voilà, donc si cette solution vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et moi je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis.